Salut tout le monde, ici Profitroll sur la chaîne The Dragon Press. On se retrouve sur la suite d'Empyrion, là où on en était arrêté. Donc la dernière fois, je vous ai passé comment dire, l'exploration en rapide, parce que de toute façon il n'y a rien à voir, mais j'ai gardé quand même les scènes où il y avait des POI à regarder, des trucs comme ça, des petites surprises qui me suis tombé dessus en me baladant comme ça. Bah. Bref, je vous ai montré le peu qu'il y avait à voir, mais c'est il y avait presque rien hein, sur le chemin. Il n'y avait que 3 POI et j'ai fait le tour de la planète quasiment. Donc, voilà, j'ai passé je sais pas combien d'heures avec la moto à tourner en rond pour découvrir la map le plus possible. Donc, du coup, ah, alors il y a un truc par là, c'est quoi? Il y a un drone et une ressource. Okay. Donc attends, map. Ah oui, avant ça. Réglage. Je me suis aperçu que le son était beaucoup trop fort. Mettre comme ça, c'est déjà bien. Ça va sauvegarder plus. Au pire des cas, on sauvegarde. Allez! Allez! Donc sur la map, moi je suis là, je peux pas aller par là, je voulais aller par là mais je peux pas parce qu'il y a le drone qui est au-dessus du premier job. Donc je peux pas aller par là, malheureusement. Alors on va aller ici. Déjà on va supprimer celui-là. Je vais en mettre un ici. Hop, on va se diriger vers le drapeau. C'est quoi, c'est pas le truc que j'avais déjà fait ça. Bon, il est changé. Le news marker il est là-bas. Il n'y a pas le drone par là normalement. C'est ça que je comprends pas. Ouais, le drone il est là-bas donc c'est chaud quand même. Après j'aimerais bien le buter mais pas trop de safe, de points safe ici. Voilà, ça s'appelle les araignées. Je vois rien, ça bug trop. Et arrête de bugger, putain de merde. Oh. Il y avait un truc par là. Merde, le drone il m'a vu ou pas? C'est chaud quand même. Hein. Il y a une ressource là. Vite. Qu'est-ce qu'il a le jeu à bugger comme ça? Buguez pas avant la mise à jour, mais depuis qu'ils ont fait la mise à jour, il lag à mort le truc. Et pourtant j'ai un bon PC hein, par rapport au graphisme du jeu. Ah, il y a deux news markers. Oh merde, je sais pas c'est lequel. Moi je pense que ça doit être celui-là. Hein. Faudrait que je regarde c'est quoi l'autre. Mais ah ouais, c'est pénible là. Avant le jeu il marchait super bien, maintenant il bug. Putain de moto qui déconne là, c'est dingue ça. Vas-y, arrêtez de me faire chier quoi. Bon. Silicium, ok. Toute cette route pour si peu de choses intéressantes. Je vais aller sur le drapeau là, mais je crois pas.
je vais sur la map, je vais supprimer ça. Hop, je crois que c'est celui-là que j'ai pas supprimé, ouais c'est ça. Hop, hop, ça dégage. Parce que ça j'en ai pas besoin. Hop. Bon, il y avait ce coin là mais c'est de l'eau. Ce coin là c'est que dalle. C'est là où il y a le drone je crois en plus. Non c'est. Ouais si c'est par là qu'il est. Du coup faut que j'aille derrière moi, faut que j'aille ouais derrière moi mais c'est pas évident parce que je suis pas droit. Est-ce que c'est est? Il me semble que c'est est hein. Enfin est. Allez tourne encore la moto, bordel de merde là. La glisse ça tombe pas là. Ouais. T'as tourné? Oh là là, décidément. Donc là, faut aller tout droit. Ah, il y a des mecs par là. Ressources encore. C'est pile poil là où je devais aller en plus. Allez, allez hop. Là décidément ressource, encore une ressource, j'en ai marre, je fais que ça. Bref, du coup on va pas s'éterniser non plus à faire de l'exploration. Comme vous avez pu voir sur la carte, il reste pas énormément de choses à découvrir. De toute façon il reste que le sud de la map à peu près, donc ça va être vite fait. Je m'approche des zones que j'aime pas. Voilà, je sais c'est quoi comme ressource. Hein. C'est du prométhium. Et vu que ma moto a des codes, je peux y aller. Là-bas je vais attendre ici. Là on va mettre un point là-dessus, un waypoint, ressource, on l'appelle gisement de prométhium. Je vais valider. Voilà, gisement de prométhium. Donc comme ça va faire un point de plus. Ce qui est bizarre c'est qu'on voit pas sur la map. Ouais, c'est pas grave. Ici il n'y a rien je pense.
passer l'équateur, il n'y a rien du tout par là. Je pense que le mieux c'est que je descende là. Direction sud, derrière moi. Si je vais faire un accéléré sur cette partie là, je verrai au montage. Il y a des chances que je le fasse pas parce que je vais sûrement oublier, mais bon, je sais pas, je vais voir. Parce que c'est long, mais c'est long. Et après, vous imaginez pas, mais le plus long après, ça va être de rentrer chez moi quoi. Parce que ma map, enfin, la map elle est grande, mais c'est surtout que là je vais être au sud et ma base elle est à peu près dans le de la planète, donc c'est un peu la merde. Il suffit en plus que je sois à l'opposé de l'autre côté de la planète. Là, faut que je devais devoir faire le tour du monde, ça va être l'horreur. La photo elle tombe plus, c'est quoi ce bordel? Le marqueur est là. Là, c'est soit je tourne à droite, soit je tourne à gauche. On va tourner à droite pour l'instant. Oh, le bug, ça freeze quoi. Du coup, j'aurais aimé dormir, mais je pense que je vais manger avant parce que sinon ça va périmer. Et si je dors maintenant, le problème c'est qu'en fait il fera jamais jour, ouais, donc ça sert à rien. J'ai des trucs là, mais ouais.
juste pour enlever les petits carrés noirs en fait. Eh, c'est loin. Hein. Je crois que c'était à côté, mais pas du tout. Eux, ils me courent après à chaque fois, de la merde. Ah ouais, c'est vachement loin en fait. Je croyais que c'était juste à côté, moi. Sur la lune, c'est stupide. Sur la lune en plus y a rien. Là, dans l'objectif, c'est de partir de cette planète-là pour aller dans une autre, dans un autre système solaire, pour aller sur une autre planète. Oh, ça y est, je fais que bailler, c'est bizarre. Bien sûr. Je risque de mourir beaucoup de fois et puis enfin voilà, mais ça fait partie du jeu, c'est comme ça.
Après, oui, c'est sûr que là où je risque le plus de mourir, ça sera dans l'espace. Parce que s'il y a des pirates de l'espace, alors là, mon vaisseau, ça sera tellement de la merde que ça va être compliqué. Mais il y a tellement pas de ressources sur cette planète-là que si je trouve une planète où il y a plein de ressources, ça serait tellement bien. Parce que là, il n'y a pas de cobalt, il n'y a pas de minerais rares et tout ça, il n'y a rien du tout. En plus de ça, la foreuse, elle roule, donc elle est uniquement sur les planètes. Et j'ai pas vu qu'on puisse mettre de foreuse sur sur le vaisseau léger là, le petit. Du coup, je sais pas comment faire. Parce que normalement, on doit pouvoir forer les astéroïdes et tout ça, mais alors là, je sais pas comment. Il y a une base rouge qui est pas loin par là-bas, mais j'y suis pas encore. Ça va pas tarder. Oh, il n'y a plus d'arbres. Ah, ok, ça respawn. What the fuck? Un petit bug. C'est pas le premier, ce sera pas le dernier. Bon, moi on sait qu'il n'y a pas de POI parce que vu que tous les arbres ont disparu, on sait que c'est pas tout de suite qu'il y en aura un. Sinon, on l'aurait vu. Ouais, voilà. Ouais, ça avance bien. Le son du jeu, il est infernal, surtout pour la moto là. C'est une horreur. Hein. Ça me pète les oreilles. Je sais pas si je descends encore. Parce que le problème, c'est que j'ai déjà descendu. Je suis quasiment au minimum. Ou alors je descends encore comme ça. Ça a pas l'air de toucher à la moto, ça. On va le laisser comme ça. Dans l'hiver, il y a quoi? Il y a plein de trucs qui servent à rien. Non, c'est pas ça. Bah non, il n'y a pas l'air d'avoir... Ouais. D'accord. En 1080, je peux pas plus, de toute façon, il me semble. Ouais, je peux pas plus. Le jeu, il offre pas la possibilité d'avoir mieux. Bon, j'annule. Non. Il y a pas mieux. Bon, écoute, on va faire avec. Hein. De toute façon, il lag déjà avec si peu. Bon. Sur la map, là, je suis où? Je suis en suivant encore. Et c'est vrai, il y a les cauchemars, mais les cauchemars qui rampent, c'est dégueulasse. Ils font peur, mais ils sont pas hyper agressifs, quoi. Dès qu'ils voient, ils réagissent pas plus que ça. Hein. Pas autant que les raptors. Mais bon, c'est comme ça. Par contre, les cauchemars, ceux qui sont debout, l'horreur. Là, t'as l'impression que c'est un jeu d'horreur, quoi, carrément. Alors qu'à la base, pas du tout. À la base, c'est un jeu de survie, d'aventure. Alors, aventure sans histoire, bien sûr. Enfin, quoique, je suis un peu menteur en disant ça, parce que il y a quand même un petit script, un petit scénario. C'est vrai qu'il paye pas de mine, mais il a le mérite d'être là, quand même. Et ça, c'est déjà pas mal. Ah,
y a un peu beaucoup de flotte là. Ça fait chier, je vais être obligé de longer le bord là-bas. Ah, puis après il y a la base, alors ça me fait peur ça. J'espère qu'elle est pas trop proche la base. Parce que... J'ai rien pour me protéger, hein. Si jamais il me tire dessus, je suis... Et puis là, en plein dans la neige, je vais crever assez rapidement. Parce que j'ai rien pour me réchauffer. J'aimerais bien savoir où je suis là à peu près. Ouh, je m'approche. Ça, c'est pas bon signe. On va essayer de scanner. Merde, il n'y a plus rien. Et on va prendre la bouffe. Bon, ça n'a rien scanné du tout. Mais... J'ai récupéré toute ma vie. Ah, ça c'est cool. Ah d'accord, c'est ça, c'est une plante. J'ai eu les boules. Si je scanne. Toujours rien. Que ça me tire dessus moi. Ah, je peux peut-être remonter par là, alors attends. Ça a l'air d'être safe. Ça fait comment? Ah ouais. Alors je peux remonter par là, mais c'est vraiment la dernière ligne droite. Hein. Si je remonte pas par là, je suis dead. Ah ouais, mais le problème c'est qu'il y a vraiment pas de passage. Hein. Ah, j'espère qu'il n'y a pas de bébé dans l'eau. Putain, si, il y a une bébête.